Salut les gars, nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, séance à la reine à Rouen à plusieurs. Donc on va être 12, gros training épaule. Là, le but, moi je suis toujours en préparation. Donc on va faire attention aux charges. On va pas aller trop dans l'euphorie. Quand on est beaucoup, faut faire attention. On y va les gars, c'est parti. Allez, là, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est pas moi qui m'occupe de la séance cette fois-ci. C'est monsieur Alexandre, coach sportif aussi, mais surtout. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Je vais avoir besoin de votre attention. Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite séance épaule-bras. Donc il va y avoir 3 groupes de 3 personnes. On est 10, moi je vais tourner dans chaque groupe. D'accord? Je vous ai répartis en fonction de votre poids, à peu près de votre niveau. Ok? Moi ce que je veux, c'est un esprit d'entraide et de convivialité. On n'est pas là pour de la concurrence ou quoi que ce soit. On est tous coach ou passionnés dans la muscu. Mon état d'esprit, c'est ça. D'accord? Je veux de la convivialité et de l'entraide. Dès qu'il y a quelqu'un qui est en galère, on est là pour l'assister, pour donner des conseils. Voilà. On va commencer par les épaules. Il y aura 4 exercices. On va faire une pré-fatigue, donc sur des élévations latérales. On va faire un exercice en lourd, développé militaire, en 4 fois 6 reps. Il y aura du développé Arnold avec des élévations frontales enchaînées. Et on fera un travail sur l'arrière des épaules aussi, avec du tirage large et des shrugs sur les trapèzes. D'accord? Une fois que ça sera fini, on passera sur la deuxième partie, qui va être un travail, donc traction, supination et de dips. Donc à chaque fois, ça va être un superset. Travail agoniste, antagoniste, biceps et triceps. Deuxième exercice, du curl. Troisième, il y aura du bar au front. Et à la fin de tout ça, on va faire un petit challenge tous ensemble. Attends, j'ai fait le dos hier. J'ai les trapèzes défoncés. J'ai trop mal au dos. Deuxième groupe et troisième. Non, c'est comme ça. Faut envoyer. Non, mais toujours un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Là, on fait pas là. Élévation latérale. En 4 x 15. Ah, t'as un peu lourd là. Mais non, non, c'est bon. Ah, j'avais pas cassé. Non, c'est bon, c'est bon. Mais commence pas. 3, 2, 1, c'est parti les gars. 15 reps. Tout de suite. On y va. Latéral. Allez. Garde le dos bien droit. Donc élévation latérale pour premier exercice. On est parti sur 4 séries de 15. Donc là on est sur une charge assez moyenne. Premier exercice et ensuite on passe sur le développé militaire, on verra ça par la suite, mais pour l'instant on y va. C'est un bon. Numéro 2 en place. Tout de suite. En place. 3, 2, 1, c'est parti, go! Ok, tout le monde est passé sur le premier exercice, on a fait 4 séries. Maintenant, on passe sur le développé militaire en série de 6 répétitions sur du lourd. Vous commencez à vous échauffer bien. Vous faites 2 séries en montant en gamme et après, vous mettez votre charge pour 6 reps. D'accord? C'est vrai? Je pense trop sur les trapèzes? Non, je faisais un mouvement de trapèze. Ouais, mais... Non, je sens bien là. Donc deux séries de chauffe avant la série de travail. Après, c'est possible, c'est l'épaule. C'est pour on me baisse le bras pour. Les gars! C'est pour ça qu'en fait, j'ai vu ton trapèze. Vas-y. Donc là, les gars, deuxième exercice. On part sur développé militaire.
Donc là on se fait deux séries où on monte en chauffe. On prend un plus petit poids que nos charges de travail. Et ensuite dès qu'on arrive à notre charge de travail, on va faire quatre séries. Après, le but là c'est de travailler lourd, on est sur du 6 reps. Donc le but là c'est de tout envoyer. En léger, chauffez-vous tranquille. En léger, il a plus de 34. Vous voyez aussi. Comment voulez-vous Loïc, c'est un chauffe avec les 34. Ah ouais, il a dit prends léger, attends. À 2 kg près c'est ma charge de travail. Les gars, c'est parti, go. Premier exercice, 6 répétitions, en lourd. On y va. Ok, c'est pour toi ? Ouais. Allez. 3. Deuxième, pousse. 3ème. 3. Allez, gros. 4. 5. Allez. Hop. Encore une. Allez, allez, allez. Super. Bien joué. Bien joué, les gars. Pas trop mal, je ne fais pas. Ça va, franchement, ça va. Avec la combinaison, ça va. Ouais, ça va, frérot, t'as des blessés. Regarde. Non, attends, j'en prends une. J'en prends une, il faut que j'ai le poids. Vas-y, vas-y, repose-toi, repose-toi. Non, il faut que j'ai le poids. Appuie bien sur tes pierres. Au début. Je t'aide, mais pas trop. Droite et gauche. Droite, ouais. Vas-y, vas-y. Allez les gars, c'est parti. Allez. Voilà, c'est bien. Allez. Pousse. Allez. Pousse. Allez. Pousse. Allez. Du coup, j'ai testé. Je sais pas, y'a quoi. Là, t'as les 40. Vas-y, mon vieux. Allez, 3, 3ème. Les 3ème là. En place. Oh. 3, 2, 1. Ok, c'est parti. T'as plus de sensibilité. Donc, t'as plus de les abdos. Spécial Alexandre où il est tout seul. Ouais. On bombarde tous avec la vidéo. Sur la prochaine. On le met à la prochaine. On lui met 60 kilos sur les bras. On va faire un cercle. Super. Nickel. Super. Allez. Yep. Allez, pousse. Dernier. Encore une. Allez, good, oh.
Ça meurt. Allez, serre les mains. Feu. 7. 8. Voilà. Serre. Encore. 9. Vas-y, laisse. Pousse. Allez. 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 Avec Chris. Voilà. Peut-être pas. Vas-y. Vas-y. Tu pas mangé. Le gars, il a dormi 12 heures. Il a fait 12 heures. Il a dormi 12 heures. Il a fait 12 heures. T'as l'impression, il y a. J'ai l'impression, il y a 60. J'ai l'impression qu'il y a au moins 10 kilos en plus. Il y a que deux. Je sais pas si c'est parce qu'on a fait des... C'est la dernière là. C'est la dernière. Mais... C'est la quatrième. Bah franchement la 52 elle est vraiment dure. Ouais, je vais faire un 52. Moi je l'ai senti dans le dos. Moi ? Bah j'en ai fait 6 mais Alex il m'a tout dit. Mais genre... Vous m'avez dit qu'il y a ouais mais juste en fait le fait de s'accrocher. 52. Ah m'a réellement fumé. Franchement la différence de poids entre 50 et 52 c'est horrible. Allez. On a l'impression vraiment il y a une différence, il y a au moins 10 kilos de plus. Je sais pas pourquoi, c'est parce que j'ai jamais fait ou quoi avec la série d'avant, la fatigue arrive. Mais ah ouais, incroyable. Je n'ai pas peur. Moi j'ai essayé, j'ai fait 3 reps. Moi ça me donne un bon point de référence pour la suite. La séance là elle est assez intensive du fait qu'il y a beaucoup de monde. On n'est pas très focus sur le moment où tu es face à toi-même, on va dire. Où, quand tu t'entraînes tout seul avec ta musique, etc., tu veux vraiment te concentrer. Là, tu gères un peu partout, tu es en train de placer quelqu'un, tu aides quelqu'un, etc., tu regardes un peu partout. Tout ça fait que tu es un peu moins focus sur ta série en analyse. Et bon, ça sort un peu de sa zone de confort et ça permet de s'entraider, de s'entraîner ensemble. Donc c'est pas mal. Donc là j'ai pris 52. Du fait que je suis en prépa, etc., je vais redescendre un petit peu. Quand je vais reprendre 50, c'est faire ma série calmement. Et après on va repartir sur un autre exercice. Je suis en prépa. Les glucides, je les ai réduits à 4 jours. 5 jours même. Donc ça commence à bien piquer. J'ai beaucoup moins de glucides. Le physique qui bouge. Donc ça je suis super content, vous allez voir, je s'appelle dans les barbières, etc. Mais du coup ça fait que sur les charges, les perfs, ça descend un peu plus, on ne peut pas être au max. Et c'est là où justement il faut gérer son effort modéré pour être au top tout au long de la série. De la séance. Ouais. Il y a la caméra, hop. T'en fais 15 en plus. Voilà. Hop. Voilà. Easy. Hop. Yep. Allez. Hop. Encore une. Hop. Allez. Voilà. Hop. C'est beau. Ah, ça va être beau.
L'exercice avant, on était sur du développé Arnold plus en élévation frontale. Donc là, on était plus sur du pump, de la congestion pour finir, on va dire, le développé militaire qu'on avait mis en place lourd. Ça a permis d'aller chercher du coup d'autres fibres musculaires. Aller plus sur des fibres lentes si on veut. Donc, ça permet de compléter l'entraînement sur le devant de l'épaule. Et là, ensuite, on va passer du coup sur l'arrière d'épaule avec un tirage en arrière sur le côté en essayant de lever les coudes au maximum pour justement aller chercher le deltoïde postérieur ici pour avoir l'entraînement complet des épaules. Et c'est parti tout de suite les gars. Dernière, tu peux plus le prendre là. Wow. Tu peux plus le prendre là.
Oh, what a guy, what a man. Voilà. Yeah. 8, encore. 9, encore une. 10, petit pulse en bas. Maintenant, c'est parti. Au moins 10. 1, 2, allez, à l'échec. 3, 4, encore. Assieds-toi, allez, 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 allez. Encore. Voilà. Bien joué. Tout le monde a fait 3 séries ou pas? Pour vous protéger et protéger les autres, bien. Adoptez ces gestes simples. Respectez le sens de circulation et tenez votre droite. Au-dessus d'une barre de traction. Un entraînement de résistance, tout le monde en est capable. Regardez, vous devez tenir le menteau au-dessus de la barre le plus longtemps possible. Tenir ici. Dès que vous passez le menteau au-dessous de la barre, c'est fini. Si vous dépassez une minute, toutes les minutes, on fera une traction. Donc il faudra redescendre, remonter et je retire. On est pas à Koh-Lanta ? Ouais, c'est okay. Ce qu'il a dit. Les gars, vous êtes chauds. Tu restes en gainage, chaque minute, t'en fais une. Mettez-vous en place. T'as moyen de prendre une petite pause là, je suis au bout de ma vie. Déjà, juste une minute, frère. 4, 3, 2, 1, c'est parti, go. On n'a pas tenu une minute quand même. Du coup, Polo, c'est pour toi. La part de la mission de France. France. T-shirt, une serviette. Voilà, bravo à toi. Avec plaisir. Ok, 3, 2, 1. Bon, voilà les gars, séance terminée. On a fait une grosse séance. On a beaucoup travaillé sur les épaules, on a fini un petit peu avec les bras. Je les ai lâchés sur fin de séance. Ils ont fait un exercice en plus sur les bras. Moi j'ai voulu continuer sur l'épaule en vue de ma prépa. Mais on a fini tous ensemble, on était tous ensemble. Et du coup ça s'est super bien passé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis bah merci à vous tous d'avoir été là pour cette séance. Et je vous dis à la prochaine pour cette vidéo. Merci.